Jean-Philippe, Ravjo, au départ du quintet avec Touril le King. Touril King, il s'est produit début novembre, il n'a pas pu s'exprimer. Vous étiez sur votre fin après l'épreuve. Ouais, parce qu'on avait. On s'est vite rangé en partant, en dessous de la course. Je pense qu'avant le coup, cette course-là était peut-être plus facile de prendre une galopation que jeudi. Maintenant, rien n'est fait. Hein. C'est des vieux chevaux, faut que le plus important c'est qu'il garde la forme. On va dire que cette course-là peut lui avoir fait du bien pour le moral. Voilà. Comment vous abordez cette course-là? Vous avez cette fois-ci les étrangers, mais c'est le même parcours et à peu près la même catégorie. Hein. Oui, voilà, on reste dans les mêmes conditions. Voilà, il y a les étrangers. Hein. Ceux-là, on les connaît un petit peu plus. Déjà, ils sont à 10 ans, on les a déjà vus courir, on sait contre qui on se frotte. Hein. Mais bon, bah, oui, il y en aura tout le monde. Il y en a bien 2-3 qui vont nous barrer la route assez sérieusement. Bon, il court un mois, c'est au top de sa forme qu'il va se présenter, Touril le King. Oui, je l'ai emmené travailler à Laval samedi. Il était très bien. Hein. De toute façon, maintenant, il arrive en fin d'année de 9 ans, il lui reste un an à courir. Chaque course est un objectif et on courra que quand le cheval sera bien. Donc, s'il court, c'est qu'il est bien. Bon, on le connaît par cœur, il faut la course avec Touril le King. On le voit dans les 5 s'il peut l'avoir. Je pense pas qu'il va rester là à mini droite. Hein. Non, il va donner encore sa pleine valeur. Il a pas de mal à marcher 13 sur la distance, donc j'espère qu'avec un beau parcours, et s'il est resté dans la même condition que la dernière fois, oui, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans les 5, mais voilà, avec lui, on peut être dans les 3 premiers comme 10e en ayant bien couru. Quoi.